J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo spéciale. Aujourd'hui, je montre les types de personnes sur Facebook qui vous stalkent, qui stalkent votre profil Facebook. Donc, c'est parti! La fille à potins. Ça, c'est la fille qui veut toujours savoir ce qui se passe de nouveau, même si c'est pas tout le temps intéressant. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Facebook? Oh! Maxime et Racha sont allés au cinéma. Ça va finir en couple, ça! Oh my god! Il y a une fête cette semaine! Hein? Mais comment ça je peux inviter? L'ex obsédé. Ça, c'est la personne qui va continuer à espionner son ex dans l'espoir qu'il revienne. Ou pas. Ah, je m'ennuie de mon ex. Je vais aller voir son profil Facebook, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. Oh my god, il a changé sa photo de profil! Attends une minute! Quoi? Comment ça, il est en couple? Comment il a pu passer de moi à ça? Genre, je comprends pas, là. Reviens-moi tout de suite. Le nouveau collègue. Ça, c'est la personne qui va apprendre sur son collègue sans même devoir endurer une conversation plate. Ok, c'est quoi son nom déjà? Mathieu? À première vue, il y a une belle photo. Ok. Hein? Pourquoi il a partagé ça? Comment ça, une photo de marde? Ah, c'est bien dégueulasse. Ah, mais il y a une photo avec son neveu. Oh, c'est mignon. L'ancienne connaissance. Ça, c'est la personne qui a découvert un nouvel ami, ben, qui veut savoir qu'est-ce qui est devenu. Hey, je l'ai déjà vu, lui, en quelque part. Mais où? Non. Non. C'est pas Xavier? Non, hey, ça fait vraiment longtemps. Je sais même pas s'il se rappelle de moi. Ben, qu'est-ce qui est devenu? Non, c'est pas lui, là. Il est tellement sexy. Le jaloux. Ça, c'est la personne qui a envie un peu tout le monde sur Facebook, même si il connaît pas nécessairement tout le monde. Pourquoi elle a un chum, elle? Me semble qu'il est trop bien pour elle. Il devrait me revenir, genre, juste parce que, t'sais, je suis meilleure qu'elle, là. Non, mais pourquoi ses cheveux à cette fille-là sont tout le temps super beaux? Regarde les miens, là. L'enquêteur. Ça, c'est la personne, ok, c'est le diable. C'est la personne qui veut aller dans les profondeurs de Facebook pour trouver des informations. Bon, mais si je veux l'intéresser, faut quand même que je sache qu'est-ce qu'il aime. Bon, ok. On va aller dans la section à propos, lieu de naissance. Ah ben, on habite pas si loin que ça l'un de l'autre. Photo. Ah, il a changé sa photo. Dans la vidéo, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, il s'est pêché. Hein? C'est toujours utile ça. Puis la musique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il y a sûrement des bons goûts musicaux. Attends. One Direction? Quoi? Celui qui pense avoir une chance. Ça, c'est la personne qui pense qu'il y a une chance d'être en couple avec une autre personne. Waouh, il est tellement beau ce gars-là! C'est sûr que s'il me voit à l'école, il va tomber sur mon charme, là. Oh mon dieu, il joue au hockey en plus! C'est l'homme idéal! Celui qui s'ennuie un vendredi soir. Ben, comment dire? Ah, qu'est-ce que je peux bien faire? Je peux peut-être aller sur Facebook parce que, tu sais, j'ai pas tant d'amis. Mais allez voir ce qui se passe de nouveau. Ah, il y a une nouvelle photo. Mais allez voir c'est de quel profil. Ah, il est tellement beau. Ah, mais attends, il y a une photo avec son ami. Il est tellement beau. Ah, attends une minute, là. Je vais aller voir ça. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette fille-là. Elle ressemble à quoi maintenant? Si tu t'es reconnu dans une des situations où tu as reconnu un de tes amis, partage-les sur tous tes réseaux sociaux et tu peux aussi me donner un thumbs up, ça va me faire super plaisir. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Comme toute personne normale qui range sa chambre... Millie, range ta chambre! Ouais...